Bonjour, aujourd'hui donc un petit test de double transmission, double émission à partir de la DC14 en ayant ajouté l'option double transmission et double réception avec récepteur. Donc on a la central box 200 et deux satellites récepteurs qui permettent de recevoir la double émission. Donc, premier essai, fonctionnement en double émission. On voit bien ici que sur l'affichage, je ne sais pas si vous on va bien voir. Voilà. On voit qu'on est en double transmission. Donc là, pas de problème. J'ai branché un servo sur la box 200. Ça fonctionne parfaitement. Donc, au niveau des alarmes, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a plusieurs types d'alarmes. Il y a l'alarme où on peut, dès qu'il y a une transmission qui est défectueuse, ça sonne. Dès que la transmission principale est défectueuse, ça sonne. Dès que la transmission principale, enfin secondaire, est défectueuse, ça sonne. Moi, j'ai choisi que ça sonne dès qu'il y en a une des deux qui est défectueuse. On va faire un essai. Donc, je vais enlever la première, la principale, celle du haut. Voilà. Et là, on entend bien perte de signal. Malgré tout, on va pouvoir continuer à voler puisque je peux continuer à faire fonctionner le servo qui est branché sur la profondeur dans ce cas-là. Maintenant, je vais la rebrancher. Bon, si je débranche les deux, bien évidemment, il n'y aura plus de réception, ça c'est logique. Voilà, là j'ai rebranché la principale. Je vais débrancher la secondaire. Voilà. Pareil, toujours pareil, signal de perte de signal, hein, information. Toujours pareil, on a un bon fonctionnement du récepteur. Voilà, donc ça marche très bien, je vais pouvoir brancher les deux satellites. Voilà. Et là, ça sonne plus, c'est revenu. Aucun défaut. Voilà, c'était juste une petite démo du fonctionnement de la box avec une double transmission, donc double émission, double réception. Merci.